Je demande aux êtres de lumière, au Christ, de calmer mes peurs, mes colères et mes rancœurs, et de couper tout et tout mécanisme de contrôle, interne ou externe, pouvant interférer avec cette guérison. Je demande à mon moi supérieur de fermer hermétiquement mon aura pour me protéger et me préserver de toute intrusion ou pollution. Je demande également qu'un canal de lumière divine d'origine cosmotellurique soit mis en place pour servir ma guérison, afin que seules les énergies positives et bienveillantes des êtres de lumière puissent couler en moi. À part le flux d'énergie spirituelle, celui de mes guides et de mon moi supérieur, aucun autre usage ne pourra être fait de ce canal. J'appelle maintenant l'archange Michaël et les êtres protecteurs de la 13e dimension et leur demande de complètement obturer et protéger cette expérience sacrée. Je leur demande de fermer, de protéger et d'accentuer le bouclier de l'archange Michaël afin d'éliminer tout ce qui n'est pas positif pour moi et qui existe encore dans cet espace. Je demande maintenant à mon moi supérieur, au maître ascensionné et aux êtres galactiques lumineux d'éliminer, de dissoudre et de transmuter en lumière la totalité des implants psychiques ou énergétiques et leurs énergies associées. Les parasites, les armes spirituelles, les magies néfastes et les dispositifs d'autolimitation, tant connus qu'inconnus. Une fois cela accompli, je demande la restructuration et la réparation complète de mon champ d'énergie d'origine. Que cela soit fait au niveau physique, énergétique et spirituel afin de retrouver ma liberté et mon intégrité. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre, je suis libre. Moi, l'être connu sous le nom de, dans cette incarnation particulière, je révoque et renonce ici à la totalité des serments d'allégeance, vœux, accords et contrats d'association, d'engagement qui ne servent plus mes plus hauts desseins dans cette vie, mes vies passées, mes vies simultanées et mes vies futures. Et que cela se produise dans toutes les dimensions, dans tous les espaces, temps et lieux, ou partout ailleurs dans l'univers éternel. J'ordonne maintenant à toutes ces entités qui sont reliées à ces contrats, organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de me rendre la totalité de mes énergies, puis de quitter mon espace vital, mon corps et mes énergies. Maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en prenant avec elle tous les pactes, contrats d'âme et énergie reproductive.
Pour assurer qu'il en soit ainsi, je demande au Saint-Esprit, Shekinah, d'être le témoin de la dissolution de tous ces contrats, dispositifs et énergies reproductives qui ne respectent pas mon libre arbitre et qui n'honorent pas la vie. Que le Saint-Esprit, la fille, ce féminin divin, soit le témoin de l'élimination complète de tous ces contrats, dispositifs énergétiques et mémoires cellulaires, karmiques négatives, connues et inconnues, qui empiètent sur ma volonté et celle de l'univers. J'affirme cela dans cet ici et maintenant, pour l'avenir et de manière rétroactive, et il en est ainsi. Je reformule maintenant mon allégeance envers moi-même et envers l'univers à l'aide de mes guides de lumière et dédie l'entièreté de mon être, mon âme, mon esprit, mes aspects physiques, mentaux, émotionnels et spirituels, onirique à la vibration du cœur, de la paix et de l'amour, et ce, dès cet instant, dans le futur et de manière rétroactive. De plus, je dédie aussi ma vie, mon travail, tout ce que je dis et fais, ainsi que toute chose dans mon environnement, à des valeurs et à des consciences nouvelles, plus élevées. Je choisis de vivre aujourd'hui et chaque seconde. Je lâche le poids de mon ego et de mon passé. Je ne suis ni mes ancêtres, ni mes pensées, ni même mes émotions. Je ne suis pas un genre, je ne suis pas une race, je ne suis pas un camp, je ne suis pas une religion. Je suis différente et singulière. Je suis unique. Je ne suis pas une équipe ou un maillot de sport. Je ne suis pas l'ennemi de mon prochain. Mon prochain n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas un parti politique. Je ne suis pas un salaire. Je ne suis pas un métier. Je ne suis pas ce que je fais. Je demande à l'archange Michaël de trancher toutes les croyances limitantes et les conditionnements auxquels je me suis identifiée. Je me pardonne d'avoir vécu des expériences toxiques, des rencontres nuisibles, mais qui sont justes pour mon évolution, et d'avoir eu des relations houleuses avec mes proches. Je pose les armes et mon ego, afin de pouvoir le soigner en cet instant. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'aimer et d'être aimé. J'ai le droit de ne pas plaire à tout le monde et personne ne peut me donner l'amour que je ne peux me donner. Je m'aime, je me préserve, je m'autorise à avoir confiance en mes guides et en moi-même. Je m'autorise à avoir foi en la vie. Être. J'existe, donc je vis. Pour soigner mes manques et mes blessures, je m'autorise à lâcher prise et le contrôle sur les événements qui rentrent dans ma vie. Chaque individu est unique. Et il n'appartient à personne de jauger et de juger la vie d'un autre. Je demande aux esprits célestes, aux gardiens de la terre et à mes guides de lumière
de me guider vers de la paix, car je suis prête à changer et à avancer dans les étapes de ma vie. Que tout cela prenne effet maintenant avec fluidité et douceur. Je dédie ma vie à ma propre maîtrise, à la voie de l'ascension, tant pour la planète que pour moi-même. Ayant affirmé tout cela, j'autorise maintenant les êtres en qui je crois, le Christ, la Vierge Marie, Bouddha, Dieu et mon propre moi supérieur à effectuer dans ma vie les changements adéquats à cette nouvelle dédication grâce à mon libre arbitre. Je demande au Saint-Esprit d'en être également le témoin. Je déclare maintenant cela aux flammes masculines et féminines de l'univers. Que cela soit écrit dans le livre de la vie, qu'il en soit ainsi. Merci à l'existence, merci à l'univers, merci à moi-même.